Est-ce que vous connaissez le site Oannonce? C'est un site gratuit et anonyme qui permet d'échanger des annonces, donc jardin, services à domicile, animaux, sport et rencontres. Rencontres étant de loin la catégorie où on trouve le plus d'annonces, il y a des gens très très motivés sur le site. J'ai cherché sur YouTube des avis de youtubeurs et personne n'en parle. Mais non, c'est pas tabou. Pourtant, il y a des choses super drôles sur ce site. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, on va se balader tout simplement et je vais chercher les annonces les plus cheloues. Let's go. Des âmes charitables. Bonjour, y a-t-il des âmes charitables pour faire monter la cagnotte pour notre mariage 2025? Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Nettoyage de l'intérieur de mon véhicule. Je suis à la recherche d'une personne voulant s'occuper de mon véhicule de façon régulière, me contacter rapidement. Tu aimes les voitures? Alors n'hésite plus. Rejoins-nous tout de suite sur le 36 68 74. Alors, homme mûr, pose nu, pour femme, contre cours de cuisine chez vous, non vénal. Donc c'est très spécifique comme demande, le mec c'est peut-être l'inventeur de la cuisine peinture. Eh mais attendez, mais moi je disais n'importe quoi. Où est-ce qu'on va trouver une guitariste couturière? Bah, à l'école de guitare couture. Honnêtement, bon, là, je vais flouter sa gueule. Il sourit, il a une tête sympa sur la photo. On lui souhaite bonne chance pour trouver. Hein. Ça, c'est pas facile, ça. Maître dresseur, faisceau-thérapeute, je propose des fessées aux adultes de tout âge qui ont besoin de corrections pour X ou Y raisons, qui veulent découvrir la joie et le bonheur d'être fessés. Je voudrais être puni, oui, par puni. Des gens comme vous. T'as un problème, Sonia? Non, c'est pas... Ah oui, j'ai un problème. Oui. Moi, je cherchais justement un faisceau-thérapeute, donc là, je le prends dans mon carnet d'adresse, celui-là. Je suis touchologue. Et donc, dans la catégorie rencontre, il y a une catégorie qui s'appelle mon inconnu. Et donc ça, c'est très très balèze. C'est des gens qui ont croisé des inconnus dans la rue, puis qui jettent une bouteille à la mer, qui disent « Ah, on s'est croisé tel jour, machin, donc si vous passez par là... » Là, c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'espoir. Et c'est pas bien de rigoler de ça. « Bonjour, rue des Écoles. Nous avons échangé au restaurant ce midi 28 juin. Nos ressentis concordaient sur le comportement du patron vis-à-vis de sa serveuse. J'ai été touché par votre sensibilité. J'aimerais vous recroiser. » Tom. Et ouais, ça c'est pas évident, et on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, parce qu'avec le peu d'informations qu'il y a... Si, j'ai Venom sans fuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Ah là, nous avons quelqu'un qui a la passion du muscle, Gianni Cuni, donc sans doute un éleveur de lapins, mais sauf que ça s'écrit pas comme ça, normalement il n'y a qu'un seul N. Bonjour à vous madame croisée à Nature et Découverte, vous sortez et moi je venais d'a... Vous sortez, moi je venais. Retour vers le futur du subjonctif. Le dimanche 23 avril 2023, entre 15h30 et 16h30, je vous ai croisé en partant à bord de mon véhicule immatriculé 83. Ah, pourtant vous êtes reparti seul, bah oui, pas le temps de discuter avec vous, si vous désirez faire plus ample connaissance, au plaisir, ce délicieux sourire. Comment faire pour vous retrouver? C'est allé si loin qu'elle m'a parlé. Arrête, tu déconnes. Non, sans deck. Il faut pas que vous croyiez non plus que Oannonce, c'est que ça. Il y a aussi des trucs très sérieux, vous voyez, la retraitée cherche job, il y a pas de faute d'orthographe, tout est détaillé. Le mec a l'air clean, la rénovation d'intérieur avec la petite photo et tout, ça c'est clean. Bon, au milieu, il y a un truc comme ça, recherche jeune femme pour me rendre un service. Si t'es blonde à force à la poitrine, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un peu la critique que j'ai à faire sur ce site, c'est que c'est un peu la cour des miracles. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très vite, allez, ciao ciao. De toute façon, c'est pas grave, puisque les téléspectateurs... ne nous regarde pas.